Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours irritant votre humble serviteur. Aujourd'hui, on parle de Ramsès Tikaya. Je sais que parmi mes abonnés, il n'y a pas beaucoup, franchement, il n'y a pas beaucoup qui connaissent Ramsès Tikaya. Oh, c'est un talent fou du coupé décalé, ce petit-là. Voilà, j'ai pas envie de l'appeler ce petit pour dire que je suis en train de le minimiser, mais ce jeune-là, franchement, il est vraiment bourré, bourré de talent. Voilà, on va parler de lui, on va parler de Serge Beno, on va parler aussi d'Ariel Chiné. Parce que Serge Beno et Ariel Chiné nous préparent du lot. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Est-ce que vous partez sur la page de Laurie Event jusque-là? Est-ce que vous vous renseignez auprès de Laurie Event jusque-là? Après le générique, prenez le temps de bien regarder la vidéo spot sur Laurie Event, vous comprendrez. Prenez le numéro et contactez-les très rapidement. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Pour tous vos mariages, baptêmes, dîners galas, séminaires de formation, expositions, ventes et bien d'autres, plus besoin de vous faire de soucis. L'espace événementiel Laurie's Event vous propose un service de qualité dans un cadre aussi enchanteur que convivial. L'espace Laurie's Event en Grès Nouveau Chu sur l'axe Saint-Viateur, non loin de la pharmacie Val-d'Oise. Info line 97 27 27 67 65 65 52 54. L'espace Laurie's Event, vous sentir comme chez vous. Voilà, bon retour, bon retour, bon retour. Nouvelle vidéo sur Serge Beno, Ramsès Tikaya et Ariel Chiné. Mais bien avant qu'on parle de ces artistes-là, ces artistes du coupé décalé, j'aimerais qu'on revienne sur l'espace Laurie's Event. Je vous répète que l'espace Laurie's Event est un espace féerique, enchanteur et très convivial. Franchement, cet espace a tous les atouts pour vous faire passer des moments de joie inoubliables. Fontaine d'eau, cascade. Belle salle de réunion, espace vert. Franchement, tout pour vous accrocher. Voilà, je ne suis pas en train de vous blaguer comme on le dit. Je ne suis pas en train de juste faire de la talakou. Je ne fais pas juste l'apologie de cet espace ça pour le vendre. Non. Vous savez qu'Eritor ne fait pas la promotion de n'importe quoi ou de n'importe qui sur sa chaîne. Voilà. Chaque jour, j'ai des propositions. Mais parmi ces propositions, je choisis celles qui sont bonnes pour vous. Voilà. Donc moi, je vous conseille l'espace Laurie Event. Voilà. Partez de la part d'Héritor et je sais que on vous fera une petite réduction. Voilà. Je compte vraiment sur vous. Et allez vous abonner aussi à la page Facebook de l'espace, à la page Instagram. Et regardez un peu les atouts de cet espace-là. Franchement, 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 cet espace, ça va vous bluffer. Bref, je ne veux pas être long parce que je sais que mes abonnés sont là pour le titre pour lequel ils ont cliqué. Je vous parle aujourd'hui de Ramsès Tikaya. Je crois que c'est la deuxième fois que je parle de lui. J'avais déjà parlé de lui ici, si mes abonnés se rappellent, dans son featuring avec des Bordeaux et Didier Moasco, dans le morceau Baby Foot. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Ramsès Tikaya avait fait une entrée majestueuse dans ce morceau-là. C'est lui qui commence le morceau. Vous savez comment il a chanté avec maestria, avec beaucoup de maîtrise. Vous savez, quand tu chantes avec des poids lourds, surtout un poids lourd comme des Bordeaux Likoufa, que tu dois faire l'ouverture du morceau, franchement, il faut avoir un gros talent. Voilà, et franchement, Ramsès Tikaya est un jeune artiste du coupé décalé pétri de talent. Voilà, il est de la génération des trucs Ariel Chiné. Mais bon, on dit chacun a sa chance et je sais que sa chance a commencé parce qu'il a sorti son tout dernier, c'est le Tiepo Dance. Voilà, pour des questions de droits d'auteur, je ne vais pas vous montrer c'est un bout de son clip ou de son morceau. Je vous invite tous, après mon allocution sur Ramsès Tikaya, sur le Tiepo Dance, vous allez sur la barre de recherche YouTube, vous tapez Ramsès Tikaya Tiepo Dance. Ramsès Tikaya, Tiepo Dance. Et allez écouter, c'est le coupé décalé original. C'est le coupé décalé fait autrement. Voilà. C'est un artiste très créatif. Ça, je peux vous rassurer. C'est un artiste très, très créatif. Et il est en train de monter en puissance avec ce morceau-là. Allez voir. Allez jeter un coup d'œil. Et venez me dire ici, Eritor, ce que tu dis, c'est faux. Faux. Je pense qu'il est presque à 50 000 vues en seulement quelques jours. Et c'est un artiste à encourager. Je vous disais aussi tout à l'heure que Ariel Chiné et Serge Beno sont en train de nous préparer du lot. Vous savez qu'Eritor, c'est un observateur, c'est un analyste, je dirais, très poussé sur le coupé décalé. Voilà, moi je regarde bien avant de parler, je regarde bien avant de dire quoi que ce soit. Voilà.
regardez ces images et après, on en débat. Voilà. Beaucoup me diront que, mais Eriton, on n'a rien vu, c'est que des images. Mais de vous à moi, à votre avis, ce sont des images de quoi? Ce sont des images de quoi? Ce ne sont pas de simples images, je suis désolé. Il y a deux gros hits, peut-être trois gros hits ou quatre gros hits qui sont en train de venir du côté de Serge Beno et d'Ariel Chiné. Donc vous n'allez pas me dire que ce sont simplement des images, je suis désolé. Il y a du lourd qui vient. Et comment je vois ça, en fait, je suis content, je suis heureux parce que je sais que c'est vrai qu'actuellement le coupé décalé est vraiment en souffrance, mais nos artistes se battent. Et ça, franchement, il faut les féliciter. Parce que quand je vois l'image de ces clips à venir là, je sais que le morceau qui vient derrière va vraiment nous faire plaisir. Voilà, ces morceaux-là nous feront vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Parce que il y a même Ariel Chiné qui se permet de dire qu'il va. Il a dit violer, je crois. Voilà, il va violer le coupé décalé. Donc, il faut savoir que c'est vraiment du loup qui est en train de venir. Vous comprenez un peu? Serge Beno qui ne parle pas trop, qui nous lance des bouts de photos de ses shoots sur ses tournages des clips. Donc, il faut savoir que ça promet. Voilà, moi je suis serein. Je sais qu'avec Ariel Chiné et Serge Beno, il y a du loup qui arrive. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, Serge Beno sort un morceau avec le jeune talentueux Fior de Bior de la maison Ice Records d'Ariel Chiné. Donc le morceau est titré Ewé et je sais que ça va donner. Il y a un fou de l'autre côté, c'est-à-dire un fou de son art, un fou de sa musique, et puis il y a un arrangeur, un chanteur, un confirmé, un artiste confirmé. Parce que jusque-là, Fior de Bior est très talentueux, il est en vogue, mais il n'est pas encore artiste confirmé et je sais que ça nous serait tardé. Donc le 20 septembre, je dis bien le 20 septembre, attendez-vous à un clip de Fior de Bior et de Serge Beno. Ça sera forcément du loup. Voilà, parce que jusque-là, toutes les sorties de Fior de Bior sont toutes des réussites. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi je dis que le morceau à venir entre, excusez-moi, entre Serge Beno et Fior de Bior va vraiment donner. Donc, sachez que le coupé décalé travaille. Et j'ai envie de faire une vidéo pour parler des danseurs. Parce qu'à la réalité, c'est vrai qu'on parle du coupé décalé, mais on oublie ces personnes-là qui propulsent vraiment même ce mouvement-là. S'il y a des blancs, il y a des chinois qui dansent notre coupé décalé, c'est à cause de ces chorégraphes, c'est à cause de ces danseurs-là. Donc, il faille que je fasse une vidéo sur eux pour vous expliquer pourquoi je dis ça en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Allez voir les clips de Ramsès Tikaya, Tchepodin, c'est vraiment de l'originalité. C'est vraiment intéressant, c'est un beau clip. Et c'est avec votre aide, votre soutien, que le morceau va encore plus cartonner et dépasser les frontières ivoirienne. Donc je vous invite tous à aller voir les clips. J'ai dit Ramsès Tikaya, Tchepo Dance. Voilà, je crois il y a plus d'une semaine que le son est déjà sorti. Le son est déjà sorti. Le son est disponible sur YouTube. Il tourne en boucle dans les boîtes de nuit ici en Côte d'Ivoire et sur les chaînes de radio. Donc c'est pour dire que c'est un artiste à suivre de près. Force à toi, Ramsès Tikaya. Eriton te soutient. Voilà. Et chers fans de Serge Beno et d'Ariel Chiné, vous pouvez être fier de vos artistes parce que je sais qu'ils sont en train de préparer du lourd. Voilà. Mais Ariel Chiné, je t'ai parlé deux fois et c'est ça que tu as compris. Voilà. Raffine-nous ce coupé décalé là. Mais il faut parler forcément faire plaisir aux blancs. Non. Voilà. Faut parler forcément faire plaisir aux blancs. Il y a des gens qui sont au bled ici, qui sont blindés même que ces blancs là. Donc tu peux raffiner ton coupé décalé avec les sonorités africaines et ça va framponner. Voilà. Ciao, ciao. C'était votre MCBT Héritor. On se prend en concours de journée. Dans la soirée, je crois. Ciao, ciao.